Désolé, il y a un petit problème technique, comme d'hab. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous le reprochent. Désolé, voilà, on apprend, on est dans les débuts, j'espère qu'on va se perfectionner avec le temps. Donc là, je t'en reparlerai de Stéphane Peu. Voilà, Stéphane Peu, c'est la personne qui nous a accueillis à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un avec qui on a bien conversé. Voilà, c'est des personnes, clairement, il y a des personnes qui le voyaient mal, il y a des personnes qui le voyaient bien. Voilà, nous, le mouvement de la révolution est en marche. Nous ne sommes pas dans le jugement, nous sommes dans le concret. Lorsque la personne est correcte avec nous, on sera toujours correct avec elle. Donc là, la marche à suivre derrière, ça va être quoi? Nous allons recontacter Stéphane Peu avec les preuves concrètes qu'on a, avec toujours les mêmes revendications, de faire en sorte que cette personne puisse être démise de ses fonctions. Et à un moment donné, il faut que dans tous les services, surtout lorsqu'on travaille avec, on travaille dans le social, lorsqu'on a des subventions d'État, on se doit d'être exemplaire. Et à un moment donné, c'est ça qui manque en France. Il n'y a plus d'exemplarité et il faut gommer les inégalités sociales. C'est pas normal qu'une personne puisse détourner facile 15 000 euros normal et qu'à côté de ça, nous, lorsque des petits jeunes de quartier qui sont interpellés avec quelques bouts de shit ou en conduite sans permis, ils vont en prison. Il faut arrêter cette inégalité sociale. Il faut arrêter à un moment donné que des personnes, parce qu'ils ont certaines responsabilités, ils se prennent au-dessus des lois. Et à côté de ça, on a des petits gardiens qui remuent ciel et terre pour essayer de donner des bonnes conditions de vie à leurs locataires et ils ne sont pas pris en compte. Ou derrière, on a des personnes qui font un gros travail de fond dans nos quartiers et par le tissu associatif, ils ne sont pas pris en compte. Et à côté de ça, on a des personnes qui bouffent dans la main de leur maître, et bien ils ont tous les privilèges. Il faut arrêter ce système-là. Donc, on s'excuse le fait que ça a coupé. Nous sommes contents qu'aujourd'hui, le mouvement de la révolution est en marche à une ampleur à l'échelle nationale. Et c'est par rapport à vous, par rapport à nous, par rapport à l'ensemble de la population française qui en ont marre de ces soi-disant puissants qui profitent sur la misère humaine. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.